Des centaines de Somaliens ont manifesté lundi à la plage de Lido à Mogadiscio en réponse à une récente attaque meurtrière. Le ministre de la Santé a annoncé que l'attentat perpétré vendredi avait causé la mort de 37 personnes et blessé plus de 200 individus. Cette manifestation organisée par le gouvernement visait à honorer les victimes et soutenir les survivants. Nous nous sommes rassemblés aujourd'hui pour pleurer et prier pour ceux qui ont perdu la vie lors de l'attentat du Lido. Nous voulons témoigner de notre peine et de notre émotion aux familles des victimes. En tant que survivant, je comprends l'impact de cet incident sur les jeunes, alors je veux partager mes sentiments avec les familles des victimes. Si Dieu le permet, nous reprendrons bientôt nos activités. Les manifestants ont défilé le long de la plage scandant des slogans contre Al-Shabaab, l'organisation terroriste responsable de l'attaque. La plage de Lido, autrefois un lieu de détente, est désormais au cœur d'une détermination collective à retrouver la paix et la normalité.